Salut, salut, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël. Donc tout d'abord, j'ai pour mon anniversaire, j'ai eu deux livres. Donc j'ai eu Yves Saint Laurent. Et de la même collection, j'ai eu Dior. Donc c'est des livres que je voulais pour compléter ma collection. Donc ça, j'ai eu pour mon anniversaire. Ensuite, j'ai eu une bougie Jewel Candle. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai déjà commencé à la brûler. Et elle sent la neige. J'ai eu aussi 6 boucles d'oreilles ici. Donc dans la bougie. Donc celle-ci, c'est des boucles d'oreilles pareil avec la même fermeture derrière. Et celles-ci, elles sont en argent. Ensuite, je me suis fait plaisir. Donc comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, on est allé à Carré Sénart. Et du coup, je me suis acheté cette palette-ci. Donc c'est la dernière qui est sortie. De chez Too Faced, la Cinnamon Swirl. Et elle ressemble à ça. Et elle est censée sentir la cannelle. Ça sent très légèrement. Donc celle-ci, elle était en promotion, du coup c'est pour ça que je l'ai achetée. Ensuite, j'ai eu toujours chez Sephora pour l'anniversaire, ils vous offrent des petites choses tous les ans. Donc là, cette année, j'ai eu ce masque-ci. Je ne l'ai pas utilisé justement pour vous le montrer dans cette vidéo. Et c'est un masque à la papaye, vitamine C, 95% d'origine naturelle, et c'est tissu en fibre de banane. Hop. Ensuite, j'ai eu une autre palette de chez Sephora. Celle-ci, c'est la Wonderful Wishes. Il y a 8 fards à paupières. Donc elle ressemble à ça. C'est des couleurs assez nude. J'aime bien le violet là. Enfin, je sais pas si c'est un espèce de pourpre. J'aime bien cette couleur là. J'ai pas encore testé. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit bijou. Je connais pas cette marque-ci. Donc, c'est un magasin qui est au Galerie Lafayette, Zach Bijoux. Donc ça se présente dans une petite pochette. C'est des petites boucles d'oreilles, très mignonnes. Mais après, je pourrais pas dormir avec. Je pense qu'on peut l'utiliser sous l'eau. Mais je pourrais pas dormir avec parce qu'il y a le petit à l'arrière là. Ça pique un peu. Donc je serais obligée de l'enlever pour dormir. Ensuite,
Chez Rituals, ils vous offrent une comment on appelle ça? Une huile de douche. Donc moi j'en ai jamais utilisé, je sais pas comment ça fonctionne. Et ça vous l'avez que si vous dépensez 40 euros. Donc ça c'est un peu dommage. Chez Sephora vous pouvez récupérer votre cadeau gratuitement. Et chez Rituals il faut dépenser 40 euros pour pouvoir récupérer le cadeau d'anniversaire. Ça c'est un peu dommage, ça vous pousse à consommer. Et vu que là on avait des cadeaux de Noël à finir. Du coup, j'ai pu récupérer en grand format cette huile de douche. Ça sent la rose indienne et l'amande douce, l'huile d'amande douce. Voilà. Ensuite, pour Noël, j'ai eu ce livre de Karl Lagerfeld. Donc, c'est des petites citations. Si vous allez voir quelque chose, ça se présente comme ça. Et ça, c'est pas du tout la même édition que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et pour terminer, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai eu cette veste-ci. Si vous voyez pas bien, de toute façon, je vous mets une image portée. Et celle-ci, c'est une Karl Kani, il me semble. Une Karl Kani, et ça, c'est la taille M. Voilà. Et c'est une matière pilou-pilou, mais elle n'est pas super douce non plus, en fait. Donc, je ne sais pas trop expliquer. C'est un petit peu rêche. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, c'est juste pour partager mes cadeaux que j'ai eus avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à mettre en commentaire les choses que vous avez eues aussi pour Noël ou votre anniversaire si vous êtes né en décembre comme moi. Et à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!